Bonjour tout le monde. Notre nouvelle leçon de conjugaison, ça sera sur les verbes prendre et pouvoir au futur. Alors, le verbe prendre, le futur de verbe prendre se construit en ajoutant au radical prendre les terminaisons du futur. A-I, A-S, A-O-N-S, E-Z, en. C'est-à-dire, tu enlèves le E et tu ajoutes les terminaisons du futur. Je prendrai, tu prendras, il, elle prendra, nous prendrons, vous prendrez, ils, elles prendront. Pour le verbe pouvoir, c'est presque le même principe. Le futur du verbe pouvoir se construit en ajoutant au radical pour les terminaisons du futur, c'est-à-dire tu enlèves voir et tu ajoutes deux R. Pour les terminaisons du futur, A-I, A-S, A-O-N-S, E-Z-O-N-T. Je pourrai, tu pourras, il, elle pourra, nous pourrons, vous pourrez, ils, elles pourront. Alors, toujours, il faut mettre les deux R. Et il faut ajouter les terminaisons du futur. Pour les exercices, je complète les phrases avec le verbe prendre au futur. Je, le train à 15 heures. Il, la guitare, vous, les feutres larges, les enfants, le bus à la rentrée, tu, tout ce que tu voudras. Complète les phrases avec le verbe pouvoir au futur. Les filles ne pas sortir de la voiture. Je, venir à pied. Nous, faire du sport demain. Il, aller à la patinoire. Le troisième exercice conjugue au futur aux personnes suivantes, je, tu, vous. Alors, chaque phrase, vous devrez la conjuguer avec ces trois personnes. Pouvoir attendre, avec je et tu et vous. Prendre votre temps, avec je et tu et vous. Et faites attention aux déterminants. Et à la fin, réécrire les phrases au futur. Nous prenions nos précautions pour partir. Tu ne peux pas courir longtemps. Vous ne pouvez pas dormir avant minuit. Les grands prennent la main des plus petits. Tu pouvais conduire seul. Elle prend la main. Voilà, et à la prochaine leçon.